on se retrouve dans cette vidéo pour faire la vidéo room tour. Voilà, je me suis inspirée par faire un rainbow, donc ça fait la room tour, ça room tour, voilà. Et hier peut-être. Là, c'est ma porte. Il y a des vêtements, des vestes accrochées, voilà. Là, c'est mon lit où je dors. La table de nuit, là-bas. Le bureau, l'armoire des... Donc ce bayou, je sais pas comment ça s'appelle. Et l'armoire des vêtements, voilà. Donc c'est une chambre à coucher qui est de trois couleurs. Ce blanc, ce vert et ce orange, voilà. Et il y a ce motif à chaque fois. Ici c'est mes vêtements de l'Aïd et ici c'est vêtements normaux. Dans ce bayou, il y a... Le plus important, c'est ce tiroir où il y a les élastiques. Donc, je vais fabriquer un petit lit pour ma poupée. Bien sûr, vous dites que je suis plus grande pour jouer avec de la poupée. Mais je ne joue pas, c'est juste pour décorer le Coran, l'album de photos, les séries de livres, la fenêtre. Et encore des livres, des trucs en perles à main. La coupe que j'ai gagnée en sport, donc je faisais du sel, des trucs pour faire la pâte à sel, une boîte vide. Ici c'est des trucs pour faire la pâte à sel et ça c'est la porcelaine froide, mais juste magnifique. En deuxième tiroir j'ai ma boîte de rangement plus mon alphalum et là mon crochet et mon carnet de croquis. Ici j'ai mes créations en pâte à sel. Dans ce tiroir il y a un peu le bazar. Il y a une unité sans micro, voilà, qui ne marche pas. Et ici c'est mon mur où j'ai accroché quelques trucs en pâte à sel. Voilà la série de Finégéique, Patrick de Bob l'éponge, des fleurs comme ça très magnifiques. Et donc voilà, je crois que je vous ai fait le tuto, voilà. Et là c'est mon tableau. La table de nuit, ici on trouve ma DS, ma Nintendo DS. Le petit truc très joli, voilà, je crois que c'est la création adorée. Et là il y a quelques trucs, voilà, pour voilà. Donc cette vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire aussi votre retour pour partager avec nous. Voilà. Donc il ne me reste qu'à vous dire au revoir et attendez-moi pour un nouveau tuto. Bye!